Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour la dernière séance de ce qu'on appelle les conférences de culture générale du premier semestre. J'ai eu le grand plaisir de clôturer ce cycle avec Christiane Boller. Merci beaucoup, Christiane, d'être venue à l'université de Cergy-Pontoise. Tu es philosophe, hein, tu as participé au collège, tu interviens régulièrement au Collège international de philosophie. Tu es membre du programme Non-lieu de l'exil à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Voilà, et tu as publié plusieurs livres de philosophie, et dont un qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, puisqu'il va servir un peu de support d'une certaine façon à ton intervention, qu'on a choisi toutes les deux de tourner autour d'une notion, sur laquelle tu as beaucoup travaillé, que tu as appelé la philosophie de terrain, et donc qui a donné lieu à ce livre publié en 2017 aux éditions Créafis Éditions, pour une philosophie de terrain, et tu traverses un certain nombre de pensées philosophiques, celle de Marx, celle de Simone Veil. Alors Simone Veil avec un W et non pas avec un V comme la Simone Veil de cette salle. Bon, c'est vrai que moi, par exemple, dans les convocations, je mets toujours Simone Veil avec un W et je renomme la salle. Donc c'est Simone Veil qui était philosophe, une philosophe. Et puis tu vas jusqu'à Foucault, Bourdieu, pour expliquer finalement, mais je te laisse tout de suite la parole, pour expliquer comment, aussi à travers tes expériences au Chili, en Égypte et ailleurs, récemment à la frontière franco-italienne à Briançon, peut-être que tu nous en diras deux mots, pour expliquer finalement qu'est-ce que le contact avec les vrais gens, avec le terrain, avec les entretiens qui peuvent être faits auprès des personnes qui vivent certaines réalités, qu'est-ce que ça peut apporter vraiment, quel outil ça peut réussir à nous, quel outil on peut construire grâce à ce contact avec le terrain pour essayer justement de combattre les inégalités, la domination, les différentes formes de domination. Voilà, donc je te laisse tout de suite la parole et je te remercie encore beaucoup d'être venu. Eh bien, un grand merci, j'ai besoin d'appuyer quelques mains ou pas ? Non. Ok. Voilà. Donc un grand merci à toi, Karine, pour l'invite, et merci à vous d'être là. Ça fait plaisir de voir un amphi plein, ça quand même, c'est dynamisant quand on cause. Et il y a aussi un bouquin que je vous recommande très vivement la lecture. C'est un bouquin d'une juriste qui s'appelle Karine Parot, et ça s'appelle « Carte blanche, l'État contre les étrangers ». Et je pense que c'est un bouquin tout à fait déterminant dans le monde contemporain. Et je ne le dis pas parce que Karine est là, je le dis aussi quand elle n'y est pas. Donc voilà, c'est un livre très fort et qui contient des éléments qu'on peut aussi se réapproprier en philosophie pour défendre finalement une certaine forme de choix de vie et de société. Alors, pour parler donc de la philosophie de terrain, ben déjà, vous pouvez voir que c'est un peu bizarre, ce mot-là. La philosophie, ça paraît être quelque chose qui est complètement dans les nuages ou dans les vapes, avec des vieux types barbus qui professent du haut de leur trône, genre Platon, etc. Et puis le terrain, c'est exactement le contraire, c'est ce qui fait qu'on a les pieds sur terre, et qu'on est vraiment dans le concret et dans le réel. Donc, comment est-ce que les deux peuvent être associés ? Donc, déjà, les deux peuvent être associés parce que les deux, finalement, contredisent l'idée qu'on peut s'en faire. La philosophie, justement, c'est pas seulement des vieux barbons dans les nuages. La philosophie, c'est aussi des gens qui ont été extrêmement engagés, qui ont risqué leur vie pour ça, parmi lesquels des gens qu'on présente très souvent justement comme de purs métaphysiciens et qui sont exactement le contraire. Je pense à Descartes. Si on vous dit Descartes, c'est « je pense, donc je suis ». On pense effectivement au discours de la méthode, à toutes sortes de choses extrêmement abstraites et intellectuelles. Or, Descartes, et on se dit, c'est le penseur français par excellence, le rationalisme cartésien, etc.
Eh bien, Descartes, il a écrit la majorité de son œuvre hors de France, parce qu'il a été obligé de fuir la France pour fuir les foudres de l'Inquisition, du tribunal de l'Inquisition, du tribunal catholique de l'Inquisition. Et en particulier, pourquoi est-ce qu'il est devenu philosophe ? Eh bien, parce qu'au départ, lui, en fait, il était physicien, il était chercheur, mais chercheur en sciences dures, mais en fait, il avait écrit un traité du monde qui affirmait cette chose complètement étrange, à savoir que la Terre est une planète en mouvement autour du Soleil et que ce mouvement produit effectivement quelque chose qui fait que le système du monde, en tout cas du monde auquel nous appartenons et qui est au centre de l'univers, est un système dont le Soleil est le centre et non pas la Terre. Et ça, ça contredisait exactement, bien sûr, tous les discours religieux, quels qu'ils soient. Donc, il a subi les foudres de l'Inquisition catholique, il a dû s'enfuir, et il a dû également, pour cette raison même, renoncer à publier son livre de physique. Et c'est parce qu'il avait renoncé à publier son livre de physique qu'il est devenu philosophe. C'est-à-dire, justement, pour défendre le droit à affirmer des positions rationnelles à l'encontre de politiques totalement irrationalistes. Donc, voilà exactement un exemple de quelqu'un qu'on prend pour un type d'enseignage et qui, en fait, était exactement le contraire. Et on peut dire la même chose, effectivement, de Spinoza, dont je parle dans le livre, qui a affronté la violence politique, les persécutions religieuses, à la fois en tant que personne juive et en tant que chercheur, qui, comme Descartes, prônait effectivement une modernité rationnelle. Et on peut dire la même chose de Marx, qui a dû fuir effectivement l'Allemagne, précisément parce qu'il était persécuté pour avoir promu une volonté de politique sociale à l'encontre de pouvoirs qui n'étaient cette fois pas religieux, mais de domination politique et qui sont en fait les ancêtres des pouvoirs néolibéraux que nous connaissons actuellement. Donc voilà, il y a toute une actualité de la philosophie, il y a toute une actualité de la pensée. Et cette actualité de la pensée, elle est ancrée dans le terrain et dans un terrain politique. Donc, c'est aussi là-dessus que j'insiste, quand je parle d'une philosophie de terrain, c'est de la philosophie politique. C'est de la philosophie qui travaille sur les réalités politiques contemporaines. Ces réalités politiques contemporaines, eh bien, Karine tout à l'heure employait le terme de domination, c'est en effet des réalités de domination politique, mais la domination, ce n'est pas un phénomène purement contemporain. En revanche, c'est un phénomène que les processus de globalisation contemporains ont contribué à établir de manière encore plus puissante, encore plus déterminante et encore plus contrôlable. Voilà, les politiques de contrôle, ça, c'est vraiment du contemporain et du contemporain qui s'est particulièrement accentué depuis le 19e siècle. C'est-à-dire depuis le moment effectivement où le système industriel a permis à la fois d'augmenter les possibilités de progrès économique, de progrès en tout cas plutôt dirons-nous technique, mais en même temps aussi les possibilités de régression sociale et de contrôle et de surveillance sociale. Donc vous voyez, les deux sont à chaque fois à mettre en parallèle. Alors, pour ce qui est donc de la philosophie, je vous dirais très brièvement qu'il y a un certain nombre de courants philosophiques qu'on appelle les courants empiristes, c'est-à-dire les courants qui se penchent effectivement sur le concret des choses, sur la réalité vécue au quotidien. Et ces courants empiristes, ils existent depuis l'Antiquité. L'un de ses principaux représentants dans l'Antiquité, vous connaissez sûrement son nom parce qu'il est passé dans le langage courant, c'est Épicure. Donc, Épicure, quand on dit de quelqu'un c'est un épicurien, on dit ah, c'est un bon vivant. Alors Épicure, c'est pas vraiment ça. Épicure, c'est quelqu'un qui était un matérialiste, c'est-à-dire qui affirmait effectivement que le monde s'était constitué à partir d'éléments concrets. Et Marx, au XIXe siècle, en fait, en tant que philosophe, parce qu'il était d'abord philosophe, a commencé à travailler sur la philosophie d'Épicure et a commencé à travailler sur cette question du matérialisme. Et cette question du matérialisme, il l'a appliquée, finalement, à la réalité des rapports économiques contemporains et des rapports sociaux et politiques, en disant, bien, il y a
Ça, c'est, on est au 19e, hein, donc pour Marx. Épicure, c'est le 3e siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez, on n'est pas du tout dans les mêmes configurations. Mais au 19e siècle, Marx va affirmer cette chose à la fin du 19e, dans les années 1850, 1860 plutôt d'ailleurs. Et il va dire, en réalité, quand on est dans une situation sociale et politique, cette situation sociale, elle est la résultante d'un certain nombre de rapports économiques. Et d'un certain nombre de rapports économiques qui produisent du social et du politique, et qui eux-mêmes vont produire de l'idéologie, vont produire des idées. Et ça, c'est ce qu'on appelle le matérialisme dialectique, le fait que la réalité concrète du monde produit des phénomènes politiques, des phénomènes sociaux, qui vont devenir aussi des phénomènes idéologiques. Vous voyez, les trois niveaux économique, politique et sociale, idéologique, et la question du droit, puisqu'on est ici dans une université de droit, la question du droit, elle est dans cette dimension, en fait, idéologique. Le produire du droit, c'est produire des formes idéologiques qui vont influer sur le contemporain social et politique, mais qui en même temps sont issues de ce contemporain social et politique. Donc il y a un phénomène de retour. On part des conditions matérielles de production économique. Ces conditions de production économique, elles créent des rapports, finalement, qui sont des rapports de domination. Il y a des dominants économiques et il y a ceux, effectivement, qui sont dans un système, disons, d'exploitation du travail, plus ou moins soft. Hein, nous en faisons partie. En tant que chercheurs, on est plutôt, pour l'instant, relativement... je dirais pas privilégié, c'est un terme que j'emploie pas, mais en tout cas le moins destitué que d'autres pour l'instant, en tout cas, encore qu'il y a une précarisation de la recherche dans ce système, mais c'est quand même un système d'exploitation du travail. Et puis il y a ce système qui donne lieu effectivement à une réalité sociopolitique, c'est-à-dire cette fois à des rapports sociaux et à des rapports de représentation ou de représentativité politique. Et toute la question va être de savoir qui est représenté. Voilà, ça c'est une question qui est une question dans le monde contemporain particulièrement redoutable. Et sur ce point, je vous conseille alors très vivement d'aller voir un film absolument génial qui s'appelle « Nous le peuple », qui est sorti en 2019. Et qui est un film de Claudine Boris et Patrice Chagnard. Si jamais c'est possible de le projeter, alors là, n'hésite pas. Et Claudine Boris et Patrice Chagnard sont donc des cinéastes documentaires, de vrais cinéastes, vraiment très forts, qui font un excellent cinéma. Et nous, le peuple, eh bien, l'argument est le suivant. Trois groupes décident de tenter de réécrire la Constitution. Et c'est un film documentaire. C'est quelque chose qui s'est réellement passé en 2018. Hein, le film est sorti en 2019. Donc trois groupes essayent de réécrire la Constitution française pour qu'elle puisse être plus juste et plus équitable. Ils se réunissent pour cela. Et ces trois groupes, voilà ce que c'est. C'est d'une part un groupe de prisonniers. De prisonniers de Thierry Mérogis. D'autre part, un groupe de femmes des quartiers populaires. À Villeneuve-Saint-Georges, et d'autre part, un groupe de lycéens des quartiers populaires également. Ces trois groupes-là décident ensemble de réécrire la Constitution, pas de la réécrire pas en entier, mais en tout cas d'en proposer un préambule qui puisse poser effectivement des fondements de justice sociale. Et ces trois groupes, ils peuvent jamais se rencontrer en vrai. Les prisonniers, ils sont en prison. Donc, ils vont communiquer par le moyen de films, de vidéos, qu'ils vont se transmettre les uns aux autres et à partir desquels ils vont discuter les uns et les autres. Et le film, c'est l'ensemble de toutes ces relations et ces discussions qui ont lieu entre eux, qui sont d'une richesse absolument incroyable. Et quand on voit la richesse de ces paroles de gens qui ont été incarcérés, qui ont été stigmatisés, discriminés, pour dire ce que devrait être un monde juste... Ça, c'est une force absolument incroyable. Et même chose, bien sûr, pour les femmes des quartiers populaires. Autrement dit, ce ne sont que des gens, entre guillemets, issus de l'immigration, ce qui est une appellation
particulièrement absurde parce que nous sommes tous issus de l'immigration, puisque l'immigration, c'est la condition ordinaire et normale de l'humanité. La condition normale de l'humanité, ce n'est pas une condition sédentaire. L'immigration, c'est la condition de la vitalité de l'existence humaine. Donc dire qu'on est issu de l'immigration, ça ne veut rien dire, puisque tout le monde l'est. Ça veut dire juste qu'on est sur un territoire où, si on est issu de l'immigration parce que nos arrière-grands-parents étaient danois ou américains du Nord, bof, ça ne va pas changer grand-chose à notre devenir et on ne s'appellera pas issu de l'immigration. Si on est issu de l'immigration parce que nos grands-parents étaient originaires des anciens pays colonisés, là, effectivement, on sera défini comme issu de l'immigration. Donc, évidemment, déjà, dans cette simple appellation, il y a une discrimination. Or, ce sont justement que des gens issus de l'immigration, sous ce sens-là, qui vont proposer de produire enfin un texte juste pour ce qui concerne la Constitution. Donc, vous voyez, déjà, on a là, dans ce film, quelque chose qui dit ce qu'est une revendication du peuple. Et face à cette revendication, qui est entièrement légitime et qu'on entend tout au long du film comme vraiment des discussions, qui sont des discussions de fond, des discussions y compris intellectuelles, des discussions de réflexion de gens qui n'ont pas de formation intellectuelle, mais qui ont une intelligence intellectuelle comme tout le monde, et peut-être plus que tout le monde, parce que plus on a été affronté aux difficultés, à la violence politique et à la discrimination, plus on est capable de produire de la ressource, effectivement, pour y résister et pour y répondre. Donc, on est dans cette réalité-là. Et face à ça, dans le film, eh bien, il y a les, entre guillemets, représentants politiques à l'Assemblée nationale. Et là, on a littéralement un fossé où on voit le président de l'Assemblée nationale au milieu des ors de la République, bien sûr, et ce président n'est rien d'autre que quelqu'un qui a été convaincu de corruption récemment, puisque c'était François de Rugy. La ministre de la Justice qui décrète en pleine Assemblée nationale que la justice, ce n'est pas du tout le peuple qui doit pouvoir en décider, mais qu'il faut au contraire une élite pour pouvoir parler à la place du peuple. Voilà, ça c'est la ministre de la Justice qui dit ça en plein cœur de l'Assemblée nationale, et on a en contrepoint ces deux visions et ces deux représentations du monde. Donc voilà, ça c'est pour vous donner une idée de ce qu'est cette question sur laquelle on doit effectivement réfléchir et une question sur laquelle la philosophie se penche depuis, on peut dire quasiment depuis ses origines. Mais c'est penché de plus en plus et par exemple, eh bien, il va y avoir au XXe siècle un certain nombre de philosophes qui vont choisir l'option justement d'aller sur le terrain, d'aller dans le réel pour tenter de rendre compte de ces situations politiques. Et parmi ces philosophes, il y en a un dont, si vous connaissez le nom, vous ne le connaissez pas comme philosophe, c'est Pierre Bourdieu. Donc Pierre Bourdieu, c'est en fait l'un des grands sociologues contemporains, un sociologue très important, qui a écrit précisément beaucoup sur la question de la reproduction sociale, de la reproduction donc des inégalités, qui était lui-même issu du monde paysan, et qui donc était lui-même, disons, socialement, d'une certaine manière, à l'origine, discriminé, donc il savait aussi de quoi il parlait. Et Pierre Bourdieu, en fait, sa première expérience, ce qui a fait qu'il a quitté la philosophie, où il avait réussi brillamment, il avait fait tout le cursus, pour devenir sociologue, cette première expérience, ben, ça a été tout simplement la guerre d'Algérie. Il a été envoyé en Algérie, pendant la guerre, comme conscrit. Et là, il a été absolument horrifié de tous les abus qu'il y voyait. Et il s'est associé avec quelqu'un qui était un instituteur et qui s'appelait Abdelmalek Sayad. Et pour produire ensemble un livre qui s'appelle tout simplement « Le déracinement ». Et « Le déracinement » raconte, c'est pas un récit fictif, le déracinement analyse la condition des paysans algériens déracinés de leurs terres, d'abord par la colonisation et ensuite par la guerre d'Algérie, et dit ce que représente effectivement cette forme de la violence coloniale. Et ensuite, de retour sur le territoire français,
avec Abdelmalek Sayad, eh bien, Abdelmalek Sayad, cette fois, va travailler sur la question de l'immigration. Et Abdelmalek Sayad a publié un bouquin qui est un bouquin de référence et dont je vous conseille très vivement la lecture, et qui s'appelle « La double absence ». La double absence, ça veut dire, en fait, la condition de gens, donc, effectivement, immigrés, mais qui, de fait, vont se sentir étrangers à la fois sur le territoire d'accueil et sur leur territoire d'origine. Et il dit ce qu'est cette double absence. Il le dit évidemment pour l'avoir éprouvé lui-même, mais pour l'avoir aussi analysé par des entretiens, par un véritable travail de terrain. Et ça, c'est un bouquin extrêmement puissant. Donc voilà, Bourdieu passe de la philosophie à la sociologie, parce qu'il estime que la philosophie n'est pas à la hauteur des enjeux politiques contemporains. Et Michel Foucault, qui est de la même génération, va faire la démarche inverse. Il va, avec la même idée, à savoir un certain nombre d'attitudes et de choix philosophiques ne sont pas à la hauteur des problématiques politiques du monde contemporain. Mais Foucault va dire, mais justement, il faut tenter d'élever la philosophie à cette hauteur. Et il va, et vous voyez, finalement, penser la question du terrain, c'est élever la philosophie à la hauteur des enjeux politiques. Vous voyez, donc, penser ce qui paraît le plus bas, finalement, c'est au contraire essayer de donner de la hauteur à la pensée. Et Foucault, pour cela, il va en particulier travailler dans les prisons, hein, qui sont par excellence des lieux de l'injustice et de la relégation sociale. Tout le monde sait très bien que les personnes qui peuplent les prisons sont d'abord et essentiellement des personnes issues de milieux défavorisés, premièrement. Donc, ce sont les plus pauvres qui habitent les prisons, d'une part, et d'autre part, majoritairement, je crois qu'actuellement c'est à peu près de 60 ou 70% des personnes justement issues de l'immigration. Donc Foucault va montrer que la prison est une machine à reproduire les inégalités de ce point de vue. Et il va travailler donc avec des prisonniers et il va créer le GIP, Groupe Interprofessionnel des Prisons, qui existe toujours et qui travaille effectivement sur la condition des prisonniers. Et actuellement, il y a un autre organisme qui s'inspire beaucoup de la pensée de Foucault, qui s'appelle l'Observatoire International des Prisons, l'OIP, et qui lui aussi travaille sur ces questions-là. Et Karine, comme moi, on fait partie d'un dispositif qui s'appelle l'Observatoire de l'enfermement des étrangers et qui travaille aussi sur cette question, qu'est-ce que ça veut dire enfermer des étrangers dans le monde contemporain. Et en particulier, évidemment, lorsqu'ils sont sans papier. Et donc, livrés à la persécution politique, puisqu'il s'agit bien de persécution vis-à-vis de gens qui n'ont commis aucun délit, mais simplement sont en situation de déficit administratif. Donc, vous voyez, Foucault s'intéresse à cette question des prisons, mais il va aussi aller sur des terrains à l'étranger. Et en particulier, il va aller en Iran. Il va en Iran en 1978, au moment de la révolution iranienne. Et là, qu'est-ce qu'il voit ? Il en demeure complètement saisi. Il voit un peuple soulevé, littéralement. Et à la suite de ça, soulevé contre un pouvoir politique abusif, qui était le pouvoir du Shah en Iran. Et je vous lis, parce que je ne saurais pas le dire par cœur, mais c'est fastoche, parce que c'est en exergue de mon bouquin. Je vous lis ce qu'il dit, et ce qu'il va publier donc dans un journal italien. « Il faut assister à la naissance des idées et à l'explosion de leurs forces. Et cela, non pas dans les livres qui les énoncent, mais dans les événements dans lesquels elles manifestent leurs forces, dans les luttes que l'on mène pour les idées, contre ou pour elles. » Vous voyez, il faut assister à la naissance des idées et à leur éclosion. Et ça, ça veut dire être sur le terrain. Et ça veut dire que les idées, elles ne naissent pas dans les bibliothèques, elles naissent dans la réalité concrète des problématiques politiques. Donc, en Iran, en 1978, un très puissant mouvement révolutionnaire va avoir lieu, et il va avoir lieu contre, effectivement, un pouvoir dominant, affilié aux États-Unis en particulier, et ce pouvoir dominant va, effectivement, être renversé
par ce mouvement populaire. Et Foucault est saisi d'une chose, il dit, mais ce mouvement populaire, c'est un mouvement religieux. Et c'est un mouvement dans lequel la religion joue un rôle très important. Donc, quel rôle joue ici la religion? Elle joue le rôle de produire un enthousiasme politique. L'enthousiasme, enthousiasme, ça vient du mot grec théos, qui signifie Dieu. L'enthousiasme, c'est le fait, originellement, de se sentir porté par quelque chose qui est au-delà de soi-même. Quand on est enthousiaste, ça veut dire qu'on a la conviction que ce dont on est porteur, ça va très au-delà de notre petite personne, mais que ça peut en concerner beaucoup d'autres et qu'il peut y avoir du commun autour de ça. Voilà ce que ça veut dire l'enthousiasme. Et cet enthousiasme originel, c'est effectivement un enthousiasme qui, dans l'Iran, qui est un pays écrasé en fait par les politiques néolibérales déjà, est porté par une population dont les options religieuses ont été persécutées ou niées, ce qui était le cas effectivement sous le régime du Shah. Donc du coup, c'est cet enthousiasme religieux qui va les porter. Et Foucault est absolument fasciné par ça. Il va écrire là-dessus, il va écrire de nombreux textes là-dessus. Et puis, il se rend compte en fait que cet enthousiasme religieux va être trahi. Et qui va être trahi par les religieux eux-mêmes, c'est-à-dire pas du tout par tous les religieux, mais par une cléricature, par des clercs religieux, dont effectivement l'ayatollah Khomeini, qui vont transformer cet enthousiasme populaire, en fait, littéralement, en un bain de sang, et qui vont persécuter ceux qui les auront aidés à remporter la victoire dans cette révolution, et parmi ceux-là, ceux qui étaient évidemment le plus engagés sur les questions sociales. C'est là-dessus que, en particulier, les Mojahidines du peuple vont être exterminés dans les prisons iraniennes après avoir été torturés pendant des années. Là-dessus, je vous recommande la lecture d'un autre livre, qui est le livre d'une anthropologue qui s'appelle Shora Makarimi et qui est la fille d'une de ces Mojahidines du peuple qui a été exterminée par l'ayatollah Khomeini. Et le bouquin est absolument magnifique, il s'appelle « Le cahier d'Aziz ». C'est une anthropologue du CNRS. Hein. Elle vient, il y a deux ans, de sortir un film à partir effectivement de cette réflexion-là, qui s'appelle « Hitch », H-I-T-H, ce qui veut dire « caché », apparemment en iranien, je ne parle pas persan, mais je crois que ça veut dire ça. Ce film, lui aussi, parle de cette question de la relation entre ce qui est un vécu de l'intérieur dans une famille, dans une véritable tragédie familiale, et ce qui est en fait une réalité politique. Et va montrer le lien entre les deux et comment ce sont bien les réalités politiques qui impactent toujours notre histoire individuelle et personnelle, et même celle qu'on croit le plus privée au monde. Donc voilà, Foucault, vous voyez, travaille ces questions-là et travaille ces questions du rapport à la question de l'enthousiasme politique, du rapport à la question de la parole populaire et du rapport à ce qu'on appelle, à ce qu'un autre philosophe qui s'appelle Gramsci, qui est un philosophe du début du XXe siècle, a appelé les subalternes. Donc les subalternes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceux qui n'ont pas droit à la parole, ceux qui effectivement sont considérés comme finalement destitués de la place qu'ils devraient avoir dans un devenir politique commun. Donc ils sont considérés comme subalternes, et de fait, pour moi en tout cas dans mon travail de philosophie de terrain, ce que je vais chercher à montrer, c'est que ceux qu'on appelle subalternes sont en réalité, y compris sur le plan de la pensée, au contraire, des gens d'une très grande puissance. Alors il y a une autre philosophe contemporaine qui s'appelle Judith Butler et qui travaille sur la question de ce qu'elle appelle la puissance d'agir qui est tout en chacun, c'est-à-dire pas simplement de se vivre comme victime, mais au contraire de se vivre comme un acteur de l'histoire. Et moi je dirais qu'il faut compléter cette idée de la puissance d'agir par l'idée d'une puissance de la pensée. Il y a une puissance de la pensée chez tous ceux qui ont vécu la violence politique. Et chez tous ceux qui vivent la violence politique, la pensée est réactivée. Et en quelque sorte,
chaque fois qu'on est affronté, chaque fois qu'une force, en physique, hein, simplement dans le domaine de la physique, chaque fois qu'une force est affrontée à une force contraire, elle augmente sa propre force. Et cette augmentation de la propre force par l'affrontement à la puissance contraire, ça s'appelle la résistance. Donc la résistance en physique, hein, c'est ça. Ben, on peut dire que la résistance en politique, c'est ça aussi. Et donc, c'est en partant de cette idée-là, c'est-à-dire de l'idée d'une puissance de résistance qui est une puissance de la pensée, tout autant qu'une puissance de l'action, que moi j'ai décidé de construire ce concept de philosophie de terrain à partir d'entretiens. Donc à partir d'entretiens avec des personnes qui ont vécu des situations. Et pour ça, en particulier, ce qui m'a aussi guidée, c'est une autre référence philosophique, c'est une philosophe qui s'appelle Hannah Arendt. Un film est sorti sur elle, d'ailleurs, il y a, je ne sais plus, 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Et Hannah Arendt était en fait une philosophe métaphysicienne qui travaillait avec un autre philosophe, d'ailleurs, qui s'est avéré être un nazi, et qui s'appelait Heidegger. Et elle était sa disciple, hein, elle suivait la position d'Heidegger. Et puis, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est retrouvée persécutée en tant que juive, et donc par les nazis, et donc elle a dû fuir, elle a dû connaître l'exil, et là, elle a été en fait, tout à coup, elle a dû penser, elle a dû mobiliser sa pensée, non pas pour réfléchir à ce qu'est l'être ou les temps ou je ne sais quoi strictement spéculatif et métaphysique, mais pour réfléchir les questions contemporaines auxquelles était affrontée avec une question de vie ou de mort. Donc elle s'est retrouvée donc en exil en France, elle est allemande, et en particulier elle a été enfermée dans le camp de Gurs, dans le sud-ouest, qui est un camp dans le sud, qui est un camp d'où on partait directement pour Auschwitz. Et elle a réussi à s'enfuir du camp avant d'y aller. Un autre philosophe qui s'appelle Walter Benjamin a eu moins de chance qu'elle. Lui, après avoir été interné dans le camp de Gurs, il a été arrêté à la frontière espagnole qu'il tentait de franchir. Et là, il s'est donné la mort pour échapper à l'extermination. Bon, Arendt, elle a pu s'enfuir finalement aux États-Unis, où elle a été femme de ménage pendant un certain temps pour survivre en tant qu'émigrée. Et puis ensuite, eh bien, elle a réussi à reprendre son activité intellectuelle. Et elle a écrit, dans les années 50, une série de livres qui sont demeurés très célèbres sur la question du totalitarisme. Le premier de ces trois ouvrages s'intitule « L'impérialisme ». Et dans ce premier ouvrage, elle réfléchit de manière particulièrement aiguë, l'ouvrage paraît en 1951, elle réfléchit de manière particulièrement aiguë la question de qu'est-ce que c'est que des sans-droits, précisément parce qu'elle s'est retrouvée dans cette position des sans-droits. Et vous voyez comment son expérience a aiguisé finalement son aptitude intellectuelle pour arriver à réfléchir cette question, à la penser, à produire des analyses qui puissent être des analyses utiles et dont on se sert encore beaucoup aujourd'hui pour penser effectivement la question du droit. Donc c'est cette dynamique-là, c'est-à-dire cette dynamique d'un affrontement à un réel violent qui suscite la pensée, qui m'a poussé également à justement réfléchir sur les raisons pour lesquelles, quand des gens subissaient des politiques violentes, quand ils étaient donc traités en subalternes, pourquoi est-ce qu'on les traite toujours en victimes et est-ce qu'on les interroge toujours en tant que victimes pour se plaindre, etc. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en fait, justement, quelqu'un comme Arendt ne s'est jamais présenté en victime. Elle a dénoncé la violence dont elle était l'objet, elle en a fait des analyses qui servent pour tous et pas seulement pour elle. Et donc, elle a ce qu'on pourrait dire retourné le stigmate. Le stigmate dont elle était victime, elle l'a retourné contre ceux qui la stigmatisaient. Et ça, je pense que c'est une attitude à laquelle il faut vraiment réfléchir, précisément pour penser le monde contemporain, c'est-à-dire non pas se poser en victime, mais au contraire, se poser en quelqu'un qui réfléchit
et qui peut assigner les dominants à leur propre subalternité intellectuelle, à leur propre imbécilité intellectuelle, à leur propre absurdité. Et ça, je crois qu'en particulier dans le domaine des migrations contemporaines, je ne pense pas, Karine, que tu vas me contredire là-dessus, on assiste à une telle absurdité des décisions technocratiques et politiques qu'on peut leur retourner l'imputation de subalternité intellectuelle et d'insuffisance réflexive pour penser le monde contemporain. Et au contraire, affirmer la puissance de ceux qui sont considérés comme sans droit ou en tout cas d'un moindre droit que d'autres. Donc c'est ça effectivement qui m'a poussée à ce que j'appelle une politique de l'entretien. Une politique de l'entretien, ça veut dire quand on va sur le terrain, on sait qu'on va s'adresser à des gens qui ne sont pas des dominants, très clairement. Et soit que ces gens soient effectivement réduits à la condition subalterne, soit que parce que d'autres, ceux qui ne sont pas subalternes à l'origine, mais qui souhaitent être solidaires avec eux, vont devoir finalement se taire et vont être menacés aussi judiciairement s'ils dénoncent ce qu'ils sont en train de dénoncer. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu récemment à Briançon, avec un procès qui a eu lieu, dont le verdict final a été donné il y a 2 mois, en septembre 2021, et qui était le procès des 7 de Briançon. 7 personnes solidaires qui ont pris parti pour les étrangers et qui ont décidé effectivement d'agir en faveur des exilés sur leur territoire, et en particulier en allant les chercher dans la montagne pour leur éviter de mourir dans la neige et le froid ou de mourir des chasses à l'homme que pratiquent contre eux les policiers de la PAF, de la police aux frontières. Eh bien, ces 7 personnes qui avaient sauvé des gens dans la montagne ont été, pour cette raison même, assignées en justice comme association de malfaiteurs. Voilà, là, on a un exemple de ce qu'est un déni de droit, à quoi peut servir le droit. Le droit peut servir effectivement à violenter et à poser un déni de droit. Et puis le droit peut servir au contraire à l'inverse. Et ces mêmes gens de Briançon, ils ont produit ce petit bouquin qui s'appelle « Au nom de la loi » et qu'ils distribuent aux policiers en leur disant « Là, vous avez un petit fascicule qui vous dit en fait quels sont vos devoirs à l'égard des personnes en situation de migration ». Comment vous devez respecter leurs droits. Ce sont des juristes qui l'ont écrit, donc c'est écrit avec tous les articles de loi et tout, moi je serais incapable de faire un truc pareil, mais Karine si, sûrement. Et donc, voilà, ce sont des juristes, et ces juristes-là, ils ont décidé de mettre le droit au service des migrants en assignant la police elle-même à ses propres devoirs. Voilà un exemple aussi de ce que, au contraire, à quoi peut servir le droit positivement. Alors, donc, en pratiquant effectivement cette philosophie de terrain, moi, je vais m'entretenir avec des gens sur différents territoires. Je peux parler encore un peu Ouais, d'accord. C'est parce que je parle, je fais pas trop attention à l'heure. Donc, il faut me dire. Et donc, en fait, c'est l'idée, c'est de L'idée, c'est de voir quel est l'impact des processus de globalisation sur des populations, d'une part, mais d'autre part, de voir comment cet impact produit aussi des formes de résistance. Et en fait, c'est un peu de manière empirique que j'ai commencé à travailler là-dessus. Alors, je vais vous dire un petit peu quelles ont été les différentes étapes, pas du tout pour vous raconter ma vie, hein, on s'en fout, mais plutôt pour vous dire un peu quels sont les terrains sur lesquels effectivement on peut travailler. Il s'est trouvé qu'en 1999, c'était la fin de la guerre du Kosovo et des femmes militantes des Balkans qui militaient contre les nationalismes se sont retrouvées ensemble, et c'était des femmes de nationalités différentes d'un pays qui avait été explosé, qui était en fait la Yougoslavie,
qui est devenue l'ex-Yougoslavie, divisée non seulement en pays différents, mais en pays antagonistes, supposés se combattre les uns les autres, et qui s'étaient violemment combattus au cours de cette guerre. Donc les femmes militantes qui militaient contre les nationalismes, contre la violence masculine aussi d'ailleurs, ont décidé de se retrouver en France, à l'abbaye de Royaumont, qui est un lieu de... C'est plus une abbaye, hein, c'est un lieu de colloque, en fait. Et il s'est trouvé que le photographe Philippe Bazin, on lui a demandé de faire un travail de photographie pour photographier ces femmes. Et il a suggéré que je vienne avec lui pour faire un travail d'entretien avec elles. Donc voilà, ça s'est commencé comme ça, par un travail d'entretien avec des femmes militantes des Balkans, qui est paru et pour lequel on a fait en fait une exposition qui a circulé à travers tous les Balkans, et où ces femmes parlaient de ce qu'était effectivement cette violence nationaliste qui tue. Mais justement, elles en parlaient non pas en victimes, et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'à l'époque, toutes les actualités regorgeaient de rencontres avec, enfin de rencontres, non, plutôt de présentations de femmes qui avaient été violées, parce qu'il y a eu des viols de masse, effectivement, en ex-Yougoslavie. Et toutes ces femmes étaient présentées comme des victimes, voilà, des victimes de viols, c'est terrible ce qui leur est arrivé, etc. Bon. Et moi, j'étais assez révoltée par ça, parce que j'estime que quand on a subi un viol, en réalité, ce qu'on est, c'est surtout quelqu'un qui a réussi à résister physiquement et mentalement à ce qu'est la violence d'un viol. Et donc, on ferait bien mieux d'interroger les personnes, hommes ou femmes, qui ont subi un viol sur leur possibilité, leur capacité de résistance pour retourner le stigmate, justement, contre leurs violeurs, que de les interroger sur qu'est-ce qu'elles ont subi, qu'est-ce qu'on leur a fait, etc. Parce que tout le monde sait ce que c'est qu'un viol, on n'a pas besoin d'avoir les détails. Donc, toute cette espèce de voyeurisme m'avait complètement dégoûtée. Et en discutant avec ces femmes, dont beaucoup, en effet, avaient subi des viols, c'est pas du tout de ça qu'elles parlaient. Et c'est pas du tout de ça que je voulais les faire parler, mais plutôt de leur résistance au nationalisme, de leur résistance aux politiques machistes qui produisent ces viols, et de la manière, effectivement, de retourner le stigmate, non pas simplement contre tel ou tel agresseur personnel, mais contre un système qui est en fait un système, en effet, de domination. Le viol de masse, c'est un système de domination politique. Et donc, réfléchir, effectivement, sur ces questions-là. Et c'est pas simplement un système de domination politique quand il est un viol de masse. Tout viol procède d'un système de domination. Et d'un système de domination qu'on peut rapporter, effectivement, à des problématiques sociales. Donc, comme on le voit d'ailleurs actuellement avec MeToo, etc. Donc, voilà, c'est comme ça effectivement que j'ai commencé finalement à faire du terrain. Et puis, ensuite, en 2008, il s'est trouvé que j'ai été amenée à faire un travail, à aller en fait en Pologne pour faire un travail avec des Tchétchènes en situation de migration. Et là, j'y suis allée donc avec le photographe Philippe Bazin, qui est mon compagnon, donc c'est facile de partir avec, mais qui est aussi un des grands photographes contemporains, dont je vous recommande vivement d'aller voir le site sur Internet, parce que c'est un site extrêmement bien nourri de ce travail. Et donc, on a publié ensemble ce bouquin qui s'appelle « Le milieu de nulle part », et qui, en fait, décrit justement ce qu'est la situation des réfugiés dans l'espace de Schengen et des demandeurs d'asile. Nous, on s'est penchés sur les Tchétchènes, parce qu'ils étaient très nombreux en Pologne à cette époque, mais il y en avait d'autres, qu'on mentionne aussi dans le bouquin. Et le bouquin est constitué aussi avec 3 cahiers photos, c'est difficile de le montrer, qui sont des cahiers photos, en fait, qui sont scandés en 3 moments, ou en 3 types d'hébergement. Là, les personnes ne sont jamais montrées. Pour les Tchétchènes, c'était extrêmement dangereux d'être montré, vu le fonctionnement des services secrets russes et tchétchènes. Donc, ils ne sont jamais à l'image et ils sont totalement anonymisés dans le texte. Mais donc, les 3 cahiers photos, c'est un premier cahier photo qui montre des situations où les personnes sont encore par famille dans des chambres, une chambre par famille, bien sûr, donc ils peuvent être à 8 par chambre, mais des chambres où il y a encore quand même quelque chose qui ressemble à un espace privé.
Et puis un deuxième type d'espace qui est cela, c'est-à-dire des salles communes. Et puis un troisième type d'espace qui est celui-là, c'est-à-dire le centre de rétention de l'aéroport de Varsovie. Voilà, et donc l'idée en fait d'une politique des images pour le coup, c'est de scander ces trois moments en fait de la dégradation de la situation des personnes en situation de migration, et une dégradation qui est créée par le droit, c'est-à-dire par les directives de l'espace de Schengen. Et pendant que Philippe faisait les photos, lui, il n'assistait pas aux entretiens. Et pendant ce temps, je faisais les entretiens avec les personnes. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans ces entretiens, c'est précisément la manière dont les gens réfléchissaient la question du droit. Et en particulier, a émergé de ces entretiens quelque chose qui revenait très souvent dans les paroles des gens. Le droit rend fou. Ça, pour une philosophe, entendre ça, c'est, j'allais dire, du pain béni. C'est-à-dire, c'est une formule extrêmement éclairante. Le droit, c'est destiné à donner normalement de la rigueur dans les rapports sociaux, c'est-à-dire à réguler. C'est normalement un système de régulation en vue de l'établissement d'un principe de justice. C'est ça la fonction du droit. La finalité du droit, normalement, c'est de produire de la justice. On représente toujours la statue de la justice avec les deux balances. Et précisément, c'est la fonction du droit de réguler. Or, dire que le droit rend fou, ça veut dire que la multiplication des directives qui ne relèvent plus finalement d'un désir de justice, mais au contraire d'un désir de faire taire les revendications et surtout de faire cesser l'immigration, ce qui est une pure utopie, ou plutôt une dystopie, faire cesser l'immigration, ça n'a aucun sens. Donc cette finalité-là devient une finalité hyper violente qui crée des directives successives qui se contredisent les unes les autres, auxquelles plus personne ne comprend rien, et auxquelles se mêlent à la fois les directives européennes, les directives nationales, les directives internationales au niveau de l'ONU, et tout un système juridique qui est un système en fait de contre-droit et qui produit, qui est finalement une mécanique à produire du non-droit. Voilà. Et ça, je crois que c'est vraiment en Pologne, moi, que j'en ai pris pleinement conscience en discutant avec les personnes réfugiées. C'est-à-dire qui, elles-mêmes, pensaient ce système-là comme un système de production du non-droit. Et là, pareil, j'ai décidé de ne pas les interroger sur toutes les horreurs qu'ils avaient subies et que tout le monde sait, mais plutôt sur comment y résister. Donc ça, c'est une politique de l'entretien. C'est-à-dire ne pas se complaire dans l'énoncé de ce dont les gens ont été victimes. Pourquoi ? Parce que présenter les gens en victimes relève de ce que moi j'appelle une politique du trophée. Une politique du trophée, ça veut dire, pendant la période coloniale en particulier, beaucoup des militaires coloniaux se représentaient avec le pied sur le corps des gens qu'ils avaient massacrés ou torturés, comme ils posaient le pied aussi sur un éléphant qu'ils avaient réussi à chasser. Voilà. Ça, c'est le trophée. Et après, ils exhibaient des morceaux de corps, soit aussi des objets qui leur avaient ravis. Quand on parle du retour des objets au Bénin, par exemple, actuellement, beaucoup de ces objets ont été ravis par la violence et comme des trophées. Donc cette politique du trophée, pour moi, c'est aussi une politique qui est une politique médiatique. Et pour ça, je me référerai à une autre philosophe qui est Susan Sontag. Susan Sontag a écrit a publié en 2002 un bouquin qu'elle avait écrit en 2001 et dont je vous recommande très vivement la lecture, un tout petit bouquin qui s'appelle « Devant la douleur des autres ». Devant la douleur des autres, elle a écrit ce livre, en fait, à la suite des attentats du 11 septembre. Elle est américaine, elle a donc vécu sur le territoire des États-Unis l'impact médiatique énorme qu'ont eu les attentats du 11 septembre, qui par ailleurs ont eu un impact politique dont on a toutes les répercussions actuellement, dans toute la violence des politiques antiterroristes en particulier. Et elle dit, mais il y a quand même quelque chose qui me frappe énormément. Des tas de gens sont morts dans ces attentats.
en ont été victimes. Des tas de gens, on les a retrouvés éventrés, décervelés, les membres arrachés dans tous les sens, etc. Et il y a eu des milliers, des centaines et plus d'un millier de morts. Donc, comment se fait-il que de ces gens-là, il n'y a aucune représentation médiatique ? Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas, tous ces morts ? Pourquoi est-ce qu'on ne les voit jamais ? Pourquoi est-ce qu'ils ne s'étalent pas à la une des journaux ? Et elle donne une réponse très simple. C'est des Occidentaux. Donc, représenter les Occidentaux comme des victimes en situation dégradante, parce que quand même, être représenté saignant dans tous les sens est extrêmement dégradant, ça, c'est juste impossible médiatiquement. Mais en revanche, représenter toutes les semaines et tous les jours et tous les mois à la une des journaux des subalternes, entre guillemets, des pays coloniaux en train de mourir de faim, en train de souffrir de tortures, en train d'être blessés ou tués dans la guerre, représenter des cadavres de personnes issues du monde colonial à la une des journaux, ça, ça ne dérange personne. Donc ça, voilà l'exemple d'une politique, de ce que j'appelle en tout cas une politique du trophée. Et Susan Sontag avait extrêmement bien repéré ça dès 2001 à propos des attentats du 11 septembre. Et vous voyez que donc, travailler la question du terrain, ça mène aussi à travailler la question de l'impact médiatique que peuvent avoir les textes comme les images. Et c'est précisément en réfléchissant cet impact médiatique des images que ben, le photographe Philippe Bazin, mais d'autres aussi, pas que lui, a décidé justement de ne surtout pas pratiquer cette politique du reportage photo qu'on voit à la une de tous les journaux et qui est quand même le mainstream journalistique, mais de pratiquer au contraire une politique de l'image dans laquelle les gens vont être représentés, soit ne seront pas représentés, c'est le cas pour le milieu de nulle part, soit seront représentés au contraire en position de discours et de revendication lorsqu'on peut les représenter. Et ça, c'est ce qu'il fera dans le travail en Grèce, où il va faire des portraits pendant les entretiens. Voilà, donc pendant les entretiens, des portraits des gens. Tous ces gens sont des gens qui ont eu à subir la violence de la politique néolibérale en Grèce, c'est-à-dire qu'on pourrait parfaitement présenter comme des victimes, et au lieu de les représenter comme des victimes, ils les représentent pendant l'entretien, c'est-à-dire en train de s'approprier la parole, et en train finalement de découvrir leur propre parole par le discours. Parce que c'est ça aussi qui se passe dans une politique de l'entretien, c'est que non seulement moi je découvre le discours de quelqu'un, mais la personne qui me tient ce discours découvre elle-même aussi sa propre parole. Parce que très souvent, c'est des gens à qui on n'a pas tellement demandé leur avis. Voilà, donc cette idée d'une politique de l'entretien, vous voyez qu'elle recouvre aussi la question d'une politique des images. Et cette politique des images, il va falloir la penser de manière très différenciée. Donc, en 2008, on va en Pologne, le bouquin paraît en 2012, et ensuite, avant que le bouquin paraisse, on était allé en 2011 en Égypte, c'est-à-dire au moment en fait de la révolution égyptienne. Un terrain très bref, c'est-à-dire ce que j'appelle une esquisse, hein, ça a été, on n'a pas pu y rester longtemps, mais qui pour nous a été extrêmement instructif, avec des gens qui participaient à ce mouvement révolutionnaire. Et comme vous le savez, depuis, ce mouvement révolutionnaire a été réprimé de manière ultra-violente dans le sang, et le régime égyptien actuel est un régime militaire ultra-violent, et nous ne savons même pas ce que sont devenus les gens avec qui on avait travaillé à ce moment-là. Et puis, ensuite, en 2012, on est parti au Chili, et cette fois autour d'une situation qui était moins directement, je dirais, chaude que celle de l'Égypte à ce moment-là, mais qui avait été ultra chaude, puisque le Chili, vous le savez, a subi en 1973 un coup d'État militaire ultra violent. Et donc, en fait, on a rencontré des sociologues qui avaient subi ce coup d'État militaire, qui avaient été enfermés et torturés à l'époque,
avec qui donc j'ai eu des entretiens, mais aussi des gens de générations plus jeunes qui subissaient les politiques discriminantes au Chili, en particulier les Indiens Mapuche, là-bas, et puis également les gens qui militaient dans le mouvement des Pobladores. Et le mouvement des Pobladores, en fait, c'est un mouvement de revendication sur la question du droit au logement. C'est un peu l'équivalent du DAL en France, sauf que c'est un mouvement beaucoup plus populaire, répandu, et qui pratique aussi une politique d'éducation populaire. Et donc, on a combiné de cette manière un travail sur la question des politiques de la mémoire, la manière dont les politiques de la mémoire, finalement, euphémisaient la réalité de ce qu'avait été la violence du coup d'État, et surtout faisaient disparaître la réalité de ce qu'était la résistance politique au coup d'État. Autrement dit, il présentait toujours les résistants comme des victimes. Ça, c'est une politique de la mémoire. Et on a décidé précisément de travailler une politique de la mémoire antagoniste qui présente au contraire les gens qui avaient été violemment impactés par la dictature comme des résistants et non pas comme de simples victimes. Et puis après, donc ça c'était en 2012, En 2013, on est parti en Turquie. Il venait d'y avoir le mouvement du parc Gezi, c'est-à-dire précisément qui revendiquait en particulier sur deux questions. D'une part, la question du logement, puisque le mouvement du parc Gezi, c'était originellement un mouvement contre la gentrification, mouvement qui existe en France aussi actuellement sur lequel on travaille aussi. Et puis, c'était pas seulement ça. Lutter contre la gentrification, c'est aussi lutter contre la corruption politique. C'était un très fort mouvement contre la corruption politique. Donc, voilà, j'ai mené plusieurs entretiens là-dessus. Mais pareil, c'était ce que j'appelle un terrain esquisse, comme en Égypte, c'est-à-dire un terrain bref d'une quinzaine de jours. Et puis ensuite, en 2014, on est parti cette fois en Bulgarie. Parce que j'avais appris quelque chose, en fait, que j'ignorais complètement et que j'imagine vous ignoriez aussi jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 2013, a eu lieu à travers toute la Bulgarie un immense mouvement de protestation contre la corruption politique. Et ce mouvement de protestation, il a eu pour point de départ la montée des taxes de chauffage en Bulgarie. Et on s'est aperçu qu'en fait, s'il y avait une montée des taxes de chauffage, c'est parce que les lobbies du chauffage étaient des mafias liées au pouvoir politique. Et mafias qui ont qui avaient des liens avec les mafias hongroises de l'époque, qui elles-mêmes étaient liées au président français d'origine hongroise de l'époque, et qui s'appelait Nicolas Sarkozy, qui lutte contre l'immigration alors qu'il en est particulièrement issu. Mais lui a les moyens, effectivement, d'assumer sa défense dans ce contexte. Et donc, on est parti en Bulgarie pour cette raison-là, et en réalité, on s'est rendu compte que ce mouvement de protestation avait drainé 1 million de personnes sur une population qui en contient 8 millions. Une personne sur 8 était allée manifester pendant toute l'année 2013, et personne n'en avait rien su en Europe. Ça n'a jamais fait la une des journaux, ni de quoi que ce soit. Donc on y est allé effectivement à l'origine pour travailler sur ce mouvement de protestation, mais on s'est aperçu que pendant ce mouvement de protestation avaient eu lieu des immolations et que plus d'une vingtaine de personnes s'étaient immolées au cours de ce mouvement de protestation. Et donc on a décidé de prendre la question des protestations par le biais des immolations. Et ça a été l'objet de ce travail en Bulgarie. Les immolations avaient eu lieu dans toute la Bulgarie. Et donc on a circulé avec une étudiante bulgare de Philippe et une étudiante en photographie qui l'aidait dans son travail photographique, et une autre étudiante de son école d'art qui, elle, faisait la traduction des entretiens, faisait l'interface pour les entretiens. On a circulé dans tous les endroits de Bulgarie où avaient eu lieu ces immolations, c'est-à-dire à travers toute la Bulgarie. Et là, de cette manière et par ce biais, on a découvert un pays dont on ignorait tout, et on a découvert une autre situation politique qui était la situation des pays de l'Est, c'est-à-dire des pays de l'ère post-stalinienne, après la chute de Staline,
Et cette ère post-stalinienne, c'était le moment précisément de sa reconversion néolibérale. Et du post-stalinisme à la néolibéralisation, on voyait se produire les mêmes politiques, les mêmes formes d'autorité, d'autoritarisme, pardon. L'autorité, c'est un très beau mot. L'autoritarisme, c'est une chose terrible. D'autoritarisme politique, c'est-à-dire de tyrannie politique. On avait quitté la tyrannie stalinienne pour la tyrannie néolibérale. Et c'était précisément là-dessus que s'insurgeait cet immense mouvement de protestation. Et là-dessus, j'insiste sur le fait que sur cet adjectif de stalinien n'employait jamais le terme communiste pour définir des politiques autoritaristes et tyranniques et meurtrières. Parce que ça, ce n'est pas du tout l'idéologie communiste. En revanche, c'est la trahison de l'idéologie communiste telle qu'elle a été faite non seulement par Staline, mais par toute l'ère, géographique des pays d'Europe de l'Est, qui sont devenus en effet des pays qui étaient tout sauf communistes. Mais en revanche, qui avaient une seule différence avec les politiques, qui présentaient une seule différence avec les politiques néolibérales, c'est qu'au moins il y avait quand même un minimum de politique sociale. Et ça, c'est ce que nous ont dit tous les gens en Bulgarie. Sous le stalinisme, on subissait une tyrannie politique terrible, mais tout le monde avait accès à la santé. En revanche, maintenant, on subit une autre tyrannie politique qui ne met pas les gens en prison pour leurs opinions, mais qui tout simplement les empêche de vivre en les empêchant d'avoir accès à la santé, d'avoir accès à l'éducation et d'avoir accès aux droits. Donc c'est une autre forme de tyrannie politique. Donc, et alors de ce travail en Bulgarie, en fait, on n'a pas tiré un bouquin, en tout cas pas pour l'instant. Et il s'est fait en 2014, c'est-à-dire ça fait déjà quand même un certain temps. Mais on en a tiré ce qu'on appelle une projection parlée. Alors c'est dommage que je vous rencontre seulement maintenant pour la première fois de ma vie, parce que sinon je vous aurais convié à la projection parlée qui a eu lieu il y a un mois. Au bal, qui est en fait un lieu d'art contemporain qui présentait effectivement cette projection parlée sur la Bulgarie. Mais actuellement, un livre est en train de se préparer en Bulgarie et en bulgare autour de ce travail. Et puis ensuite, donc ça c'était en 2014, en 2016, on est allé dans les camps du nord de la France, et en particulier à Calais, et on en a tiré ce petit opuscule qui s'appelle « Vider Calais », et qui est avec un texte que j'ai écrit à l'intérieur, et les photos de Philippe Bazin, qui, comme vous voyez, ne présente pas les gens en situation subalterne dans la boue des camps, mais présente ce qu'est cette réalité du camp, et surtout cette réalité du camp dans sa dimension médiatique et policière. Comment est-ce que le système médiatique se conjugue avec le système policier dans la représentation des camps dans les médias publics? Voilà, c'est aussi là-dessus que travaillent les images. Et enfin, peut-être pour finir, tu pourrais parler du terrain là en Italie et dire... Peut-être si tu en es d'accord, pour terminer, tu pourrais parler à partir de ce que tu as vu là, de ton dernier terrain à la frontière franco-italienne, pour nous dire, nous expliquer finalement qu'est-ce que cette présence sur le terrain, ces entretiens que tu mènes sur le terrain, qu'est-ce que ça, quelle puissance supplémentaire, enfin revenir là-dessus, quelle puissance supplémentaire ça apporte à la philosophie, et finalement. Quelle symbiose il y a entre les deux, quoi. Oui. Concrètement, quoi. Comment les idées peuvent naître de ce terrain, quoi. Oui, tout à fait. Effectivement, parce que donc le terrain, cette fois à Briançon, c'est un terrain. Alors, c'est vraiment tout neuf. Hein. Là, vous avez la primeur. C'est un terrain que j'ai fait en septembre, là. Donc c'est pas encore bien organisé dans ma tête non plus, hein, parce que la philosophie, ça suppose aussi du temps pour un peu décanter les choses. En revanche, je peux vous dire, disons, dans quelle direction travaille ce terrain, c'est-à-dire ce qui nous a beaucoup saisi, c'est à quel point
ce qu'on voit à Briançon, donc à la frontière, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, à la suite, évidemment, de ce qui se passait au niveau international sur la question des migrations, il y a eu un afflux de réfugiés à la frontière italo-française, en particulier à la Roya, ça a été très médiatisé. Mais comme justement le dispositif policier s'est intensifié à la Roya, du coup, les migrants ont remonté un peu plus au nord, vers Briançon. Et donc les Alpes sont en effet devenues un lieu de passage des migrants, mais aussi un lieu de danger et un lieu de mort. Donc plusieurs sont morts dans la montagne. Alors plusieurs ont été mutilés dans la montagne, c'est-à-dire ont eu les membres gelés, donc on était obligé de leur couper les pieds en particulier. Et plusieurs sont morts, et ceux qui sont morts, en fait, ils ne sont pas morts directement de la montagne, ils sont morts des chasses à l'homme dans la montagne. C'est-à-dire, tous les morts à Briançon sont morts pourchassés par la police et sont morts en essayant d'échapper à la police, un peu comme Zineb Bougna en Akichi-sous-Bois, hein, se réfugiant dans un transformateur électrique, quoi. Voilà, c'est, donc, en essayant d'échapper à la police, eh ben, ils sont tout simplement tombés dans des ravins. Ils se sont noyés. Il y a eu le cas de Blessing Matthew, une jeune femme qui s'est noyée dans la Durance en tentant d'échapper à la chasse à l'homme. Et voilà, ils sont morts de cette manière-là, ou morts de froid en tentant de se cacher. Voilà. Et là, les gens de la région, qui sont des gens, donc des professionnels de la montagne, on dit, mais c'est insupportable. Même des gens qui n'étaient pas du tout ni des militants, enfin qui se foutaient éperdument de la question des migrations, on dit, mais ça, on n'en veut pas. Que des gens viennent mourir à nos portes, sous nos yeux, c'est juste pas possible. Et donc, ils ont décidé d'aller les récupérer dans la montagne et de faire des maraudes, effectivement, pour ça. Donc, j'ai fait des entretiens avec ces gens qui faisaient des maraudes, d'une part, ce qui est un boulot extrêmement dur, hein, en plein hiver. Enfin, eux-mêmes, ils risquent gros. Et j'ai fait également des entretiens avec des personnes en situation de migration et puis des personnes avec les solidaires qui les accueillent dans les refuges. Et au moment en fait où j'y suis arrivée, il y avait un nouveau refuge solidaire qui venait de s'ouvrir et qui déjà était surpeuplé, c'est-à-dire il était destiné à accueillir 80 migrants et déjà il y en avait plus de 160 qui affluaient. Et ce refuge a fermé il y a quelques semaines. En disant, ben, on ferme pour tenter de faire pression sur les autorités pour qu'ils puissent ouvrir un autre lieu. Voilà. Donc l'idée, c'est à la fois par la mise en évidence du dispositif, en travaillant sur ce qu'est ce dispositif de refuge, ce qu'est ce dispositif de maraude, etc., réfléchir sur la manière dont les gens dans la région peuvent résister à des politiques migratoires ultra-violentes, mais d'autre part aussi, et en particulier à des politiques policières ultra-violentes, mais aussi de réfléchir au traitement judiciaire qui est infligé aux solidaires. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont assignés en justice pour association de malfaiteurs, et ils viennent juste d'être relaxés mais ils avaient été condamnés en première instance à de la prison ferme, mis en prison pour avoir aidé des gens dans la montagne. Et ça s'appelle évidemment le délit de solidarité. Et puis ensuite, travailler aussi avec les gens qui travaillent comme bénévoles ou comme salariés faiblement rétribués dans les associations d'hébergement. Donc c'est toutes ces entretiens. Un entretien, ça dure à peu près entre une heure et une heure et demie, et y compris des entretiens aussi avec des chercheurs, hein, une jeune chercheure en particulier, une jeune anthropologue, qui travaille sur les violences faites aux femmes en situation de migration et qui travaille à Briançon. Et donc c'est en tous ces entretiens-là, qui donc, vous voyez, ce n'est pas des entretiens de 5-10 minutes, hein, c'est des entretiens qui durent un certain temps, c'est-à-dire il faut le temps, à chaque fois j'interroge les gens sur déjà leur parcours, c'est la première chose, quel qu'il soit migrant, sédentaire, volontaire, bénévole, tout ce qu'on veut, ça m'est complètement égal. Je les interroge d'abord sur leur parcours, c'est-à-dire sur comment l'histoire sur laquelle on va travailler ensemble s'inscrit, en fait, dans leur propre devenir. Hein. Ce que j'ai fait moi aussi en présentant le petit bouquin sur la philo de terrain, j'ai dit aussi quel est mon parcours. Et savoir d'où on parle, je pense que c'est effectivement très important. Et le parcours est très éclairant par rapport à toutes ces questions-là. Et puis ensuite, je mène un entretien, ce qu'on appelle un entretien non directif, hein,
c'est-à-dire je n'ai pas un questionnaire initial. Ça, j'avais essayé de faire ça quand je suis partie en Pologne, mais alors je peux vous dire que ça n'a pas marché du tout et qu'au bout de 2 entretiens, j'avais foutu mon questionnaire à la poubelle parce que ce n'était même pas la peine. Ça ne servait à rien. Mais en revanche, l'entretien non directif, lui, il est hyper riche et il est extrêmement déstabilisant pour le chercheur parce qu'il vous amène toujours ailleurs que là où vous pensiez aller. Autrement dit, quand on fait un entretien, on a quand même quelque chose en tête, évidemment, on a une finalité et on a envie de se tenir à cette finalité. Et il ne faut surtout pas conserver cette envie parce qu'on va rater l'entretien. C'est-à-dire on va rater ce qu'il y a de plus fort dans l'entretien, à savoir ce que les personnes veulent dire. Et ce que les personnes veulent dire, ce n'est pas nécessairement ce qu'on a envie d'entendre. Et une fois que c'est dit, ben c'est dit, et c'est là. Et ça, c'est un vrai matériau de travail. Et après, il faut faire ce que j'ai seulement commencé à faire maintenant pour Briançon, ça va me prendre beaucoup de temps, c'est-à-dire décrypter. Et alors moi, je fais pas d'enregistrement, je prends tout en note à la main parce que j'écris comme un cochon, donc j'écris très très vite. Et ça permet effectivement de décrypter plus rapidement que si on décrypte un entretien audio, ce qui prend beaucoup plus de temps. En fait, le moment du décryptage, c'est un moment totalement jouissif. C'est-à-dire, c'est un moment où littéralement, vous redécouvrez tout le travail que vous avez fait. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Au moment de l'entretien, on est concentré sur la parole de l'autre, mais c'est-à-dire on est concentré sur la nécessité aussi de la prendre en note, et on est concentré aussi sur quand même l'idée qu'il faut aussi un petit peu rediriger quelquefois si jamais il y a quelque chose où on a l'impression d'être passé à côté ou qu'on voudrait que l'autre approfondisse, etc. Donc on est très attentif à tout ça, c'est-à-dire on est très attentif à la problématique méthodologique finalement, même si on renonce au questionnaire préformaté. Et donc, il y a des tas de choses qui sont dites et qu'on ne capte pas. On capte un certain nombre de choses, mais pas tout. Et au décryptage, tout à coup, nous reviennent, mais en pleine figure, toutes ces choses qu'on n'avait pas bien captées, entre lesquelles on n'avait pas bien fait les liens et entre lesquelles les liens se font. Et ça, c'est un travail extraordinaire. Et en outre, quand on décrit, donc là, par exemple, à Briançon, j'ai mené 41 entretiens, quand on décrypte, on voit la relation entre les entretiens. Évidemment, on en a l'intuition avant, mais là, on l'a vraiment sous les yeux, on la lit, et c'est là, en fait, que commence véritablement le travail philosophique. C'est-à-dire le moment où on va dégager des concepts, parce que la philosophie, c'est un travail sur les concepts. Hein. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas anthropologue, la finalité n'est pas la même. La finalité, c'est de dégager des concepts qui puisse permettre de penser et d'analyser des situations, mais de les dégager à partir de la parole des gens et à partir de leur parole réflexive. Hein. Attention, ce n'est pas simplement que c'est une parole brute qui est un matériau de ma réflexion, c'est que c'est leur réflexion qui vient croiser la mienne et la nourrir. Et j'espère que ma réflexion croisera aussi la leur et la nourrira, et pendant l'entretien, c'est le cas, parce que quand je renvoie à une question, ça oblige la personne aussi à réfléchir. Donc, l'entretien, ce n'est pas du tout une personne qui est un objet de travail pour une autre. C'est au contraire une intersubjectivité entre deux sujets et entre deux sujets politiques. Parce que l'un comme l'autre, nous sommes des sujets politiques. Donc, à Briançon, effectivement, c'est comme ça que les choses sont en train de s'organiser. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question. Si, c'était super. C'était super. Peut-être que tu veux dire un mot pour conclure ou... Pour conclure, oui, un petit mot pour dire en fait que le premier bouquin que j'ai publié, c'était celui-là, ça s'appelle « Humanitaire, le cœur de la guerre ». Et c'était à la suite en fait d'un terrain de long terme que j'ai fait comme infirmière dans l'esprit un peu de Simone Veil, justement, la philosophe, qui a fait un terrain comme ouvrière en usine. C'est-à-dire l'idée aussi de vivre une condition, la condition infirmière, qui est une condition réputée relativement subalterne, mais aussi de vivre un métier proche du corps des gens, et donc à partir de ce métier aussi, de pouvoir partir à l'étranger en mission, ce qui m'a permis de faire des missions avec MSF, et donc du coup de réfléchir à la question humanitaire. Et ensuite j'ai quitté ce métier que j'avais pris temporairement pour faire du terrain, pour reprendre mon travail de philosophe, et là, j'ai écrit ce bouquin « Humanitaire, le cœur de la guerre » qui, en fait,
dénonce les abus de l'humanitaire et la manière et l'instrumentalisation de l'humanitaire sur le plan politique. Et puis voilà, et il y a toute une partie de ce bouquin donc, qui est paru l'année dernière sur le travail en Grèce, qui a duré 3 ans, qui est consacrée à la question des migrations. Et dans cette question des migrations, toute une partie est consacrée aussi, à partir d'entretiens cette fois, à la question humanitaire. Quand j'ai publié ce livre, je n'avais pas du tout élaboré le concept de philo de terrain, c'était en 2007. Et quand j'ai publié celui-là l'année dernière, là le concept est élaboré, puisque ce bouquin a été publié en 2017 et celui-là en 2020. Et là, c'était l'idée que cette question de l'humanitaire que j'avais réfléchie de manière, disons, à partir d'un terrain, mais sans mentionner le terrain, il fallait maintenant la réfléchir à partir de la réalité d'un terrain d'entretien. Et c'est ce qui s'est passé effectivement pour le travail en Grèce. Voilà. Merci infiniment. Merci à toi. On va prendre quelques questions. On a le temps de prendre quelques questions. Alors justement, la tendance n'est pas du tout inversée, parce que pour le Bataclan, il y a eu très très peu de photos de victimes qui ont été montrées. Hein. Très peu. Les journaux ont essentiellement présenté des entretiens avec les survivants, là, énormément. Non, il y en a très peu, et en tout cas, jamais des victimes reconnaissables. C'est-à-dire, on ne voyait pas les visages. Moi, le peu de photos que j'ai vues, c'était des photos qui montraient plutôt des dégâts matériels et où on voyait pas, j'ai pas de souvenir d'avoir vu des personnes, des photos de personnes, non, pas du tout. Non, je pense qu'au contraire, c'est exactement la même politique qui se pratique toujours et d'ailleurs qui se pratique aussi au niveau du procès lui-même, puisque la parole des gens qui sont assignés en procès n'est pas non plus présenté. On présente les paroles, effectivement, des victimes et des parties civiles, mais alors que, et ça c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup frappé, au moment des attentats d'Oslo, plus de 10 ans, le criminel qui avait commis ces attentats, qui était un criminel d'extrême droite, lui, on l'a donné la parole et on l'a filmé, mais en veux-tu, en voilà, et sous tous les angles. Et il a même, à l'époque, publié un bouquin. On ne voit pas du tout ça concernant les procès des attentats actuels. Parce que, justement, lui, c'était un criminel d'extrême droite et pas un criminel issu de l'immigration. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci de cette question, parce qu'elle va me permettre de vous répondre de façon paradoxale, et surtout, elle me ramène à quelque chose dont, justement, j'ai oublié de parler, c'est-à-dire le fameux principe, justement, de la neutralité axiologique. Ça, c'est un principe qui a été élaboré par Max Weber dans un ouvrage qui s'appelle « Le savant et le politique ». Et cet ouvrage qui s'appelle « Le savant et le politique », si vous le lisez, vous pouvez vous rendre compte qu'il est tout sauf neutre. Il part de conférences faites par Max Weber et de conférences qui ont été faites en particulier à la suite de la révolution allemande de 1919, contre laquelle Max Weber a pris parti. Il a pris parti contre les spartakistes au moment de la révolution de 1919. Donc son bouquin « Le savant et le politique » n'a absolument rien de neutre. Alors, quand on dit axiologiste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, effectivement, axios, c'est la question des valeurs, c'est-à-dire partir sans jugement de valeur. Ça, c'est impossible. Et comme vous pouvez le voir, rien qu'à la manière dont je vous parle de mon travail, je suis tout sauf neutre et je revendique absolument cette absence de neutralité. Pourquoi? Parce que quand on travaille en philosophie politique, qu'est-ce que ça veut dire être neutre? Ça veut dire, par exemple, si je travaille sur le coup d'État de Pinochet au Chili. Voilà, mettons.
1973. Être neutre, ça veut dire quoi? Ça veut dire considérer que finalement, ce coup d'État a la même valeur du point de vue de la défense des droits que par exemple, une démocratie qui défend les droits de l'homme. Est-ce que ça veut dire ça? Ben non. Donc, quand on se prétend neutre, ça veut toujours dire, mais toujours, sans aucune exception à la règle, qu'on est du côté du pouvoir. C'était exactement le cas de Max Weber en 1919. Il était du côté du pouvoir. Et il n'était absolument pas neutre. Et il a écrit Le savant et le politique précisément pour mettre en avant ces options, qui sont des options qui, par avance, mais on ne peut pas dire par avance parce que ça existait déjà, défendent un système technocratique. Et il n'y a rien de moins neutre que la technocratie. La technocratie, c'est le terme antagoniste. Si vous cherchez le terme antagoniste pour démocratie, ne choisissez pas dictature. Ce n'est pas la dictature qui est l'antagonisme de la démocratie. L'antagonisme de la dictature, ça n'a plus rien à voir avec la démocratie. Mais le système antagoniste de la démocratie, c'est la technocratie. C'est-à-dire un système où le pouvoir, Kratein, hein, avoir le pouvoir, est donné non pas au peuple, mais à des techniciens au service d'un système de domination. Le néolibéralisme est par excellence un système technocratique. Et tout le système capitalisme lui-même fonctionne comme une technocratie, puisqu'il fonctionne comme une abstraction. Capitalisme, ça veut dire en fait, capitaliser, ça veut dire effectivement transformer une richesse matérielle, concrète, en une richesse abstraite qui va devenir financière. Ça, c'est de l'abstraction pure. Et pour que ce système abstractif fonctionne, pour qu'il soit performatif, il faut effectivement lui donner un contenu concret, une réalité concrète, et cette réalité concrète, c'est celle de l'oppression politique. Parce qu'on ne peut pas, évidemment, défendre un système de financiarisation mondiale sans museler les gens. Une manière, d'ailleurs, de les museler, je me permets de le dire, c'est de leur faire porter un masque. Ça, c'est une muselière. Et je peux vous dire que cette muselière intellectuelle, elle fonctionne actuellement dans cette nouvelle forme de technocratie sanitaire qui est en œuvre actuellement et qui relève de ce que Michel Foucault appelait le biopolitique. Donc, pour cette raison-là, quand je vais faire des entretiens, je ne me présente surtout pas comme neutre. Je vais vous dire pourquoi. Par exemple, je vous donne un exemple. Je pars en Pologne, donc, et en Pologne, on va dans les centres de réfugiés à la rencontre des personnes, en disant qui on est et qu'on souhaiterait les rencontrer. Donc on est dans les centres d'hébergement, et dans ces centres d'hébergement, c'est ça qu'on fait. Hein. On va rencontrer les gens qui sont là, qui circulent dans les couloirs, pour leur demander s'ils veulent bien faire un entretien avec moi. Et à un certain moment, je pose la question, effectivement, à une femme que je rencontre dans le couloir. Je lui pose la question en anglais, évidemment. Elle me toise de la tête aux pieds et elle me dit « Vous êtes française ?» Je dis « Oui ». Je lui dis « Est-ce que vous acceptez de faire un entretien avec moi ?» Et elle me dit « Eh bien, il y a 2 mois, à l'aéroport de Roissy, dans la zone d'attente de l'aéroport, j'ai avorté à la suite des violences policières que j'y avais subies. Vous croyez que je vais parler à une française ?» Et je lui dis, mais on est en 2008, je suis une opposante française. Et je fais ce travail justement pour m'opposer aux politiques policières en particulier dont vous êtes victime. Et elle m'a répondu, c'est possible, mais vous êtes française. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai compris que si je voulais effectivement obtenir des entretiens, il fallait que je mette en évidence justement la raison pour laquelle je voulais faire ces entretiens. C'est-à-dire pour porter leurs paroles dans un espace politique qui ne les écoute pas. Et donc, bien sûr, il ne fallait surtout pas que je me présente comme neutre. Une autre dimension sur laquelle j'ai travaillé, c'est ce que j'appelle l'affectation de scientificité. Dans les sciences sociales, on revendique effectivement la scientificité. Donc, il faut être justement
l'esprit, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire la scientificité ? Moi, par exemple, je suis philosophe, la philosophie, c'est pas une science. Donc, je revendique pas du tout de scientificité. Est-ce que pour autant, je revendique d'être irrationnel ? Pas du tout. Je pense que la philosophie, c'est une discipline rationnelle par excellence, et que la rationalité, c'est le meilleur moyen de dénoncer les abus de ce qu'on appelle scientificité. Donc, l'affectation de scientificité consiste à faire semblant de faire passer pour une science quelque chose qui, en réalité, est un dispositif de pouvoir politique. Ça, c'est vraiment une perversion sur laquelle a travaillé en particulier Michel Foucault, dont je vous recommande très vivement la lecture. Je peux me permettre d'ajouter que le droit, en droit, bon, je ne sais pas si le droit, on peut appeler ça une science, mais on appelle ça la science juridique. Donc le droit, c'est pareil, il est paré et il est enseigné à l'université, vous le savez très bien, mieux que moi, surtout. Je pense il est enseigné à l'université sous couvert de neutralité. La plupart des collègues enseignent le droit comme de manière neutre, c'est-à-dire sans, ils n'affichent pas de présupposés, et d'une certaine façon ils n'en ont pas. Pour certains ils en ont, pour d'autres ils n'en ont pas, mais en fait c'est un leurre qui participe aussi, donc là qui est particulièrement pervers parce qu'il participe aussi de la force obligatoire du droit. Et ça, c'est une spécificité du droit, c'est-à-dire que le droit existe parce qu'il a la force obligatoire qu'il a, parce que vous et moi croyons, peut-être pas tout le monde ici, en tout cas une grande partie des gens croient dans la force obligatoire du droit. Et s'ils y croient, c'est aussi parce qu'il est présenté comme étant obligatoire et comme étant quelque part, d'une certaine façon, non négociable. Et ce caractère objectif de la règle de droit, qui serait obligatoire parce qu'elle aussi elle émane d'un certain processus qui n'est pas non plus trop discutable, comme tu l'as dit en parlant de ce film « Nous, le peuple ». Donc il y a comme ça, la légitimité du droit s'assoit sur sa neutralité d'une certaine façon. Si on vous disait, le droit que je vais vous enseigner, c'est le droit des dominants, le droit de propriété il est proclamé comme étant existant pour servir les intérêts d'un groupe dominant contre la grande majorité des gens, vous diriez, alors peut-être qu'il faudrait remettre en cause ce droit. Non, on ne vous dit pas ça en tant qu'étudiant en droit. On vous dit, le droit c'est ça, 1 plus 1 égale 2, donc maintenant, rentrez chez vous, apprenez ça, etc. Et on vous l'apprend comme ça parce qu'on attend de vous que vous participiez, que vous continuiez à participer à sa force obligatoire, par votre seule croyance dans cette force obligatoire liée à la neutralité du droit. Donc dans le droit, le caractère neutre, il est encore plus, il a un côté encore plus pervers qu'en sociologie ou en sciences politiques, parce que non seulement il permet d'asseoir la règle, d'asseoir le savoir, d'asseoir, de conférer une fausse légitimité à ce qui est dit, mais en plus, ça participe aussi à faire en sorte qu'on ne peut pas critiquer le droit. Puisque les règles de droit, leur opérabilité, leur efficacité repose sur la croyance oui. des individus dans leur caractère obligatoire. Oui. Et cette croyance, elle nécessite que soit gommée les fondements politiques de la règle, du système. Évidemment qu'on est dans un système inégalitaire, évidemment que le droit sert les intérêts d'un groupe dominant minoritaire. Et à la marge, il permet aussi à d'autres personnes de se défendre, évidemment. Mais on voit bien qu'il permet au système capitaliste de continuer à se répandre, il permet de fermer les frontières pour protéger, soi-disant, notre mode de vie. C'était un des portefeuilles des commissaires européens sur la protection du mode de vie européen. Voilà à quoi sert le droit pour nous, une large part. Et donc, si on vous le présentait comme ça, à nu, si on présentait les arcanes politiques du droit à nu, beaucoup plus de gens remettraient en cause sa légitimité. Voilà. Donc, il y a un effet supplémentaire attaché à la neutralité du droit, me semble-t-il, un effet pervers supplémentaire encore. Oui, absolument. Et pour appuyer d'ailleurs ce que tu dis, il y a un philosophe qui s'appelle Kelsen, et qui a créé effectivement un dispositif qu'il a intitulé, enfin plutôt un courant de pensée, qu'il a intitulé le positivisme juridique. Le positivisme, c'est-à-dire justement le scientisme juridique. Et le positivisme juridique consiste à dire, finalement, il faut considérer tout système juridique comme un état de fait, au même titre que la Terre tourne autour du Soleil, c'est-à-dire comme un phénomène physique, exactement l'équivalent d'un phénomène physique, et il faut partir de là pour discuter le droit. Et
précisément ce système-là du positivisme juridique consiste à dire que chaque système de droit fonde ses propres valeurs et qu'on ne peut juger d'un système juridique qu'en fonction des valeurs qu'il a lui-même fondées. Autrement dit, il ne peut être qu'auto-référentiel. Eh bien, si on adopte cette position de Kelsen, du positivisme juridique, il est impossible de défendre les droits de l'homme. Parce que, pourquoi ? Parce que justement, ce qu'on appelle droit de l'homme relève non pas du droit positif, qui fonde le positivisme juridique, mais relève de ce qu'on appelle au contraire le droit naturel. Alors, droit naturel, évidemment, c'est un oxymore, parce que le droit, ça n'a rien de naturel, c'est culturel. Mais qu'est-ce que ça veut dire, droit naturel ? Ça veut dire un droit qui affirme la respectabilité de la nature humaine en tant que nature rationnelle et digne, effectivement, d'être respectée. Ça, c'est ce qu'on appelle les principes du droit naturel. Ce sont ces principes du droit naturel qui ont permis, effectivement, de fonder le concept de droit de l'homme. Et qu'est-ce que c'est que le concept de droit de l'homme ? C'est un concept qui affirme l'universalité d'un certain nombre de principes. Donc, même si le concept d'universel a pu être à juste titre dénoncé comme dévoyé, hein, ça a servi dans la colonisation à coloniser, donc on ne va pas le défendre en tant que tel, en revanche, comme principe représentant une nature humaine de manière égalitaire, il est absolument essentiel. Et si on n'a pas ce principe-là, ce référent universel du droit naturel qui puisse se situer au-delà de tous les droits positifs, on ne pourra jamais défendre quiconque au nom des droits de l'homme. Ça, c'est très important et ça a été montré justement à l'encontre de Kelsen par un autre philosophe qui est Léo Strauss, qui est un philosophe qui, d'ailleurs, comme Hannah Arendt, avait eu à fuir la persécution nazie et a dit comment aurait-on pu finalement dénoncer la persécution nazie, sinon selon des principes juridiques qui sont justement au-delà du droit positif. Merci. Et à la rentrée, on aura une conférence de Daniel Lochak sur le droit antisémite de Vichy, qui a été allègrement commenté par les professeurs de droit et qui a été allègrement appliqué par les juges, voilà, qui n'a pas été remis en cause par les juristes. Les juristes complètement empêtrés, englués dans leur illusion que le droit, c'est le droit, hein, la loi est dure, mais c'est la loi, hein, vous connaissez cet adage, et ils n'ont pas réussi, il et elle, mais bon, à l'époque, c'était surtout des hommes quand même, n'ont pas réussi à prendre le recul nécessaire à prendre position politique contre ce qui était le droit positif. Voilà. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ? Une dernière, c'est juste, peut-être une dernière question, malheureusement un peu brève. Non, ça y est, vous êtes... Si on n'a ouais. pas, moi je voudrais ajouter quelque chose ouais. justement. C'est que je vous conseille très vivement, mais d'ailleurs sûrement que vous allez le faire, vous l'avez déjà fait, mais d'aller au tribunal de grande instance, parce que là, pour y être allé, et pour y être allé comme... assigné comme témoin de moralité d'une personne dont le prénom est Mohamed, donc qui vous désigne exactement pourquoi cette personne était au tribunal, eh bien, je peux vous dire à quelle parodie de justice j'ai assisté et à quelle parodie de justice qui est la réalité, effectivement, d'un fonctionnement assez systématique. Je dis bien assez systématique parce que sans doute que ce n'est pas toujours le cas, mais ce à quoi j'ai assisté était littéralement révoltant. C'est-à-dire quelqu'un qui a été en fait assigné en justice juste pour avoir attendu son train à la gare du Blanc-Mesnil, à la gare du Nord, puisqu'il habite au Blanc-Mesnil. Et comme il était à la gare du Nord et qu'il avait le faciès qui indique son prénom, un policier lui a mis la main sur l'épaule sans qu'il ait absolument rien fait. Et donc il a juste essayé de se dégager. À ce moment-là, trois policiers lui sont tombés dessus et l'ont tabassé. Les trois policiers qui l'ont tabassé l'ont emmené au commissariat du 4e arrondissement. Pourquoi, alors qu'il était à la gare du Nord, je ne sais pas. Et au commissariat du 4e, il a de nouveau été tabassé par trois autres policiers. Et il a demandé à avoir son avocat. Et quand son avocat est arrivé... la police a signifié à l'avocat qu'il était accusé d'outrage et rébellion. Et moi, je suis donc
aller au tribunal comme témoin de moralité en faveur donc de Mohamed. Et là, au tribunal, nous étions trois témoins de moralité en sa faveur, un anthropologue, un sociologue et moi, qui le connaissions donc tous les trois. Et l'un des interprètes nous a demandé à l'entrée du tribunal, il nous a dit, mais vous êtes des agents de la RATP ? Je dis, pourquoi ? Mais il dit, ben, vous êtes témoins. Et alors ? Ben, les témoins, c'est toujours les témoins à charge. Donc c'est en général, quand des gens ont commis une infraction à la RATP, il y a les agents de la RATP qui viennent comme témoins à charge. Ah, il dit, non, non, on n'est pas agents de la RATP, et on est au contraire témoins en faveur de la défense. Donc déjà, et on était les seuls, il y avait quatre autres assignés en justice ce jour-là, tous pour la même raison, outrage et rébellion pour avoir été tabassé par la police sans avoir rien fait. Et tous évidemment colorés. Et le verdict de la juge a été, donc pour cet ami, Mohamed, a été, le verdict c'est 5 mois de prison transformés en travaux d'intérêt général, plus 300 euros d'amende à verser à chacun des policiers qui l'avaient tabassé. Et là, au fond de la salle, où les policiers étaient alignés, on a entendu un grognement, parce que, en fait, la procureure avait requis 500 euros d'amende à chacun des policiers. Donc le verdict était plus clément que ce qu'avaient réclamé les procureurs, c'est-à-dire que les policiers allaient avoir moins d'argent. Et là, on a compris ce que ça voulait dire, c'est-à-dire que l'assignation en justice pour outrage et rébellion pour des gens qui n'ont absolument rien fait signifie tout simplement pour les policiers la possibilité d'arrondir leur fin de mois avec la pleine autorisation de l'administration judiciaire. Voilà, ça c'est un exemple très actuel, très contemporain. Merci beaucoup. Justement, je précise pour celles et ceux d'entre vous qui voudraient que vendredi matin, à 9h30, on a rendez-vous avec quelques étudiants de ma première année et aussi des Master 2. On a rendez-vous sur le parvis du tribunal judiciaire de Paris, à Clichy, porte de Clichy, pour assister à des audiences de la juge des libertés et de la détention, c'est-à-dire des audiences de personnes qui sont placées en rétention et qui comparaissent donc devant le juge pour savoir s'ils vont être maintenus en rétention ou au contraire libérés. Donc on va passer la matinée vendredi 3 au tribunal judiciaire de Paris. Donc on a rendez-vous à 9h30 sur le parvis de la place de Clichy si vous voulez venir. Après on montera dans la salle. Christiane, il me reste à te remercier à nouveau pour cette conférence extrêmement riche et intéressante. Et j'espère que tu reviendras à l'université. Merci beaucoup. Merci à vous.